Vous savez où on est? À Jeju. Voilà, le micro est mort hier pour notre première journée à Jeju. Du coup là, on est obligé d'utiliser le micro interne de la GoPro qui est nul. Voilà, qui pue du cul. Voilà. Ça c'est Il Chulbong, c'est le pic. Donc on est à l'est de l'île. On va escalader ce machin. Voilà. On va escalader, on va monter les escaliers surtout. Voilà. On va vous filmer ça, on espère que ça vous plaira. C'est super joli, il y a plein de petits escaliers en pierre volcanique, je suppose. Il y a de l'arbre, on a l'ombre, on est au frais. C'est cool et c'est mignon. Ouais, il fait chaud. Par rapport à hier, au moins à la salle, on se pelait. Là, c'est quand même mignon. Monsieur Frodo, n'abandonnez pas, Monsieur Frodo. Attention, parce que là, la vue arrive. On est en haut. Il n'y a pas beaucoup de chinois. On est entré dans le Mordor. Escalier dans la montagne. Bouhou. Avec une vue, pas piqué les hannetons. Arrête, on va devoir payer des droits d'auteur à la scène avant la scène. Bon, je vais mettre la boue. Ah putain, oh non, j'ai une guêpe. Ah non, mais non, comment j'étais moi. Voilà. Bon, ça se voit s'il y a une guêpe sur la caméra. Elles sont quand même moins mauvaises à descendre. Oh, c'est tranquille. Hein. On fait du step. Hier, on a fait 3 heures de step en montant le haut à la Sane, 4 heures même. Aujourd'hui, 1 heure de step. Voilà. On va avoir des culs en béton. Quoi. Nous allons avoir un galbe de la culse et voilà. Du mollet. Non, mais on fait du step. Là. C'est génial. Au top. Apparemment, il y a les mamies plongeuses de Jeju qui sont par là. Je sais pas où exactement, du coup, je les cherche. C'est la recherche des mamies plongeuses. Apparemment, elles font une démonstration, elles t'expliquent un peu comment ça marche, tout ça. Mais je sais pas où exactement, je comprends pas les panneaux, c'est un peu relou. Voilà, et j'ai perdu ma lampe en plus. Elles sont juste là. Manon. Du coup, elles font quoi? Elles font juste goûter? Elles vendent ce qu'elles ont chopé et tu peux le manger là-bas. Ah, c'est génial! Voilà, du coup, c'est juste là. Réunion. Ce hé de la mer et nous de Réunion, de les femmes de la mer. C'est une tradition en Corée et donc elles pêchent en apnée. Ouais, elles restent 2 minutes sous l'eau en apnée. Voilà, et elles ont 70 ans, 80 ans. Derrière, il y en a qui commencent à préparer leur truc. Les mamies sont derrière nous. Oh, je sais pas si vous voyez que je suis contente. Ouais, c'est vrai que je suis contente. Et avant de leur petit poisson, ça me fait kiffer aussi. Mais elle ramasse des pieuvres et tout. On va les observer, donc il y a du monde quand même pour aller les voir, les mamies. Moi je suis contente. Là, il y en a une qui vient de pêcher un poulpe, elle a balancé là, donc là il y a tous les gens qui regardent le poulpe qui vient de balancer. Et les gens là ils sont fascinés par le poulpe. Elles ont entre 35 et 70 ans, 80 ans. Là. Elles étaient 30 000 avant et maintenant elles sont plus que 3 000, il me semble, 3 000 et quelques. Et donc celles qui pêchaient, parce qu'il me semble que les femmes n'étaient pas taxées sur les crustacés qu'elles ramenaient en fait, contrairement aux hommes qui étaient taxés. Du coup, ben, les hommes les envoyaient à elles pour ramasser les crustacés. Ouais, du coup, c'est une tradition qui existe depuis. Pour l'instant, d'ailleurs.
Je suis sur Instagram, donc je n'ai aucune idée de ce pas-là. Non, moi, je ne sais pas depuis combien de temps elles font ça, en fait. Là aussi, je ne sais pas non plus. Je sais qu'il y a par rapport au fait qu'elles n'étaient pas taxées, mais aussi par rapport au fait que leur mari partait en mer pêcher en bateau, et il fallait bien qu'elles bouffent. Et pour celles, par exemple, qui avaient des restaurants de fruits de mer et tout, bah, il fallait bien qu'elles continuent à faire tourner la boutique. Et du coup, bah, elles allaient pêcher. Il y a du monde qui les bat. Mais je pense que là, elles font ça pour amuser la galerie. Je pense qu'elles vont pêcher du bateau, parce que là, c'est juste pour faire plaisir aux visiteurs, aux touristes. Mais en tout cas, c'est bien sympathique. Ouais.